Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Scorch Cannon, le fameux canon brûlé que tout le monde a déjà probablement vu dans un million de gameplay à l'heure d'aujourd'hui. Ce fameux lance-roquette qui constitue une arme à part entière et dont je souhaite vous en livrer quelques secrets. Donc pour commencer, je vais vous expliquer comment le looter. Il y a deux méthodes pour l'obtenir, c'est très simple. Première méthode, dans la prison des vétérans, il faut savoir qu'une seule personne seulement peut le récupérer et qu'il s'agit d'un cadeau de Varix, donc la faction de la maison du jugement, qui vous sera donné entre les vagues 2 et 3 et une seule fois par round, sachant que les cadeaux de Varix sont eux-mêmes aléatoires et que vous pouvez très bien avoir des munitions lourdes à la place de ce mystérieux canon. Donc en l'occurrence, vous avez une deuxième méthode, il s'agit du nouvel assaut sur la Lune, Shadow Thief, le voleur d'ombre, ce fameux assaut avec Wolf Walker, le Ténébrion, et Tanix, l'impitoyable. Maintenant que vous savez comment l'obtenir, j'imagine que vous êtes impatient d'en connaître les secrets. En l'occurrence, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une arme que vous allez pouvoir garder. Elle ne sera pas accessible dans votre coffre, ni même à la tour, puisqu'il s'agit d'une sorte de relique temporaire qui disparaîtra une fois que les 10 roquettes seront totalement utilisées. Donc en l'occurrence, vous avez bien 10 roquettes dans cette arme. Il n'y a aucun timer pour les utiliser. L'arme disparaîtra tout simplement lorsque vous serez arrivé au bout de vos munitions. Vous l'aurez compris, il faudra donc les utiliser totalement si vous voulez récupérer l'usage de vos armes initiales. Une petite astuce au passage, la meilleure façon de l'utiliser, c'est tout simplement de sauter en l'air et de viser vers le sol, là où il y a le plus grand nombre d'ennemis, c'est là où vous pourrez tirer pleine puissance de son utilisation. Concernant la puissance, justement, il faut savoir que dans nos gameplays, vous pouvez voir 2500 points de dégâts en coups normaux, mais il faut savoir que j'ai vu dans d'autres gameplays, d'autres personnes présentes avec nous chez Bungie, que cette arme pouvait faire jusqu'à 3200 points de dégâts. Il y a donc en conséquent une capacité à équiper pour le rendre plus efficace. Mais laquelle? Voilà, vous en savez maintenant autant que moi au sujet de cette arme. Une toute dernière petite astuce, si vous maintenez la gâchette en tirant, sachez que l'arme fera partir une roquette collante avec une tête chercheuse qui traquera les cibles et créera une énorme explosion. C'est maintenant la fin de cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos points de vue dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !